Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, excusez-moi le dérangement, juste un instant, hein, je vais me poser. Voilà, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui vont prendre de leur temps à suivre cette vidéo. Cette vidéo, je la fais dans le but de pouvoir donner des conseils à Debordo Likoumfa. En tant que l'un de ses fans et en tant que membre d'ODCI, dont il a insulté dans l'un de ses directs, que plus d'un ont suivi. Voilà. Debordo Likoumfa, si tu me suis, sache que dans la ville, lorsqu'une personne meurt, ce n'est pas elle-même qui porte son cercueil. Ce sont les autres qui portent son cercueil. Tu comprends? Moi, j'ai pour habitude de suivre. Et j'entends tout ce que tu dis. Mais moi, le conseil que moi, je gagnerais à te donner, c'est d'être humble. Parce que l'humilité, là, ça ne se marchande pas. Et de surcroît, ça ne se négocie pas. Il faut respecter son entourage. Il faut respecter toutes ces personnes qui nous aiment. Parce que c'est le plus important. L'humilité, là, ça précède la gloire. Parce que souvent, j'ai comme l'impression que tu t'auto-suffis, en fait. Dans la vie, là, on a toujours besoin de quelqu'un sur cette terre. On a toujours besoin de quelqu'un sur cette terre. Tu comprends un peu? Voilà, je te parle en tant que fan, hein. Tu donnes les conseils parce que il y a des personnes qui ne vont pas prendre ce courage-là de pouvoir te dire la vérité. Tu as traité des membres de, comment je dis ça, d'ODCI, de personnes déchues. Et moi, je me suis senti indigné par ces propos-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans le but de pouvoir te dire, tu n'as plus 19 ans, tu n'as plus 20 ans. Tu es majeur et de surcroît, tu es mature. Donc, lorsqu'on se dit qu'on est mature, on doit poser des actes qui riment à notre maturité. C'est le plus important. Dans la vie, il faut respecter les gens. Tu comprends? Souviens-toi, quand tu avais des difficultés ici, c'est ODCI qui a amené certaines personnes à te soutenir de par sa page, bien évidemment. En ce moment, je n'étais pas membre, mais je voyais des postes ODCI qui te soutenaient, qui te soutenaient. Aujourd'hui, toi, tu vas te retourner comme ODCI et traiter ces membres-là de, comment je dis ça, en parenthèse, hein, de vagabonds. Des personnes qui ne font rien. Franchement, sache que tout ce que tu fais là, on peut le faire. Moi personnellement, je peux le faire. Vos roucascasses, vos, comment je vais dire ça, vos désordonnés, vos trucs là, ce que tu fais avec Arafat là, moi je peux le faire. Si tu ne crois pas, je peux te fredonner quelque chose tout à l'heure. Tu comprends? Voilà. Donc ça peut te dire que non. Il faut te ressaisir. Dans la vie, il faut respecter les gens. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est éphémère. Je ne sais pas si une fois tu t'es demandé pourquoi est-ce que lorsqu'une personne meurt, on l'accompagne au cimetière, mais personne ne veut rester avec elle. Dans sa tombe, bien évidemment. Ça vous te dit que non. Dans ta chute là, tu seras seul. Et lorsque tu es malade, plusieurs personnes peuvent compatir à ta douleur, mais personne ne peut ressentir ta douleur. Personne ne peut ressentir la douleur que tu ressens. Tu comprends? Je te parle en tant que fan et en tant que membre d'ODCI. Il faut te ressaisir. Ton son Agazagaza est sorti. Moi, je le respecte. Voilà, je le respecte parce que tu as du talent.
Et tu as du potentiel. Voilà. Et tu as aussi une auréole, franchement, qui dépasse mon entendement. Je m'y attendais pas d'ailleurs. Quand j'ai vu l'audio que tu as posté sur ta page YouTube, ou du moins sur ton compte YouTube, autant pour moi. Et comment je dis ça? C'est-à-dire la promotion que tu as pu faire. Franchement, la barre de vue, là, ça m'a étonné. Avec l'audio, c'est pour te dire que tu as une auréole, franchement, qui dérange. Mais tu vas pas profiter de cela pour manquer de respect aux personnes qui t'aiment. Toute personne qui te fait peut te défaire. Tu comprends? Toute personne qui te fait peut te défaire. Voilà. Donc, il faut respecter les gens. Moi, c'était juste un conseil. Tu comprends? C'était juste un conseil que je voulais partager avec toi pour te dire que non, l'orgueil, ça précède la ruine et l'humilité précède la gloire. Je te parle avec une certaine sagesse, mais prochainement, quand tu vas, c'est-à-dire que tu vas t'amener à parler mal en tes directs aux membres de ODCI, franchement, je vais réagir. Et cette fois-ci-là, je vais réagir de la manière dont tu réagis dans tes nousias. Il réagit comme ça pour démontrer que moi aussi, je suis un nousi. Voilà, tout le monde est nousi à sa manière. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, il faut savoir se ressaisir. C'est très important. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et on est ensemble. Ciao.